Là, on est bien. Hello mes Wapi, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver cette année pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge réalisé et organisé par Guimauze, comme chaque année. Ça fait 2 ans que je participe un petit peu dans l'ombre puisque je ne vous ai jamais partagé réellement de pile à lire ou autre. Vous voyez que la lecture prend de plus en plus de place sur ma chaîne, je me régale à ça. Et vous êtes quand même plus nombreux à regarder ces vidéos-là qu'auparavant. Donc je suis hyper contente. Je vais quand même mettre mon plaid de côté parce que, mine de rien, il fait encore un petit peu chaud par ici. Mais je suis trop contente de retrouver cette ambiance cocoon d'automne que j'aime tant. Vous allez voir que ma pile à lire est assez conséquente, même s'il y a pas mal de graphiques. Et je ne me donne pas l'objectif de tout finir, évidemment. C'est simplement voilà, des lectures qui vont m'inspirer cet automne, que j'ai vraiment très envie de découvrir et de les classer comme ça dans une pile à lire, de pouvoir les mettre dans des menus. C'est vraiment hyper, hyper plaisant. Et de toute manière, je compte quand même en lire une bonne partie. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des petites idées, des petites recherches ou des lectures qui vous inspirent tout simplement. C'est parti pour vous proposer ça tout de suite. Bien entendu, pour avoir plus d'infos sur le Pumpkin Autumn Challenge, je vous invite et je vous mets en description à regarder la vidéo de Guimauze qui explique tout et qui partage également sa pile à lire dans une seconde vidéo. Elle est également en description, allez vous faire plaisir, c'est toujours des recommandations pépite. Du coup, on commence cette année, il y a 3 menus avec différentes sous-catégories dans chaque menu. Les 2 années précédentes, il me semble qu'il y avait 4 menus, c'est très conséquent, mais cette fois-ci, il y en a 3 et les sous-catégories me font plus ou moins envie. On commence donc avec le premier menu qui est rien d'autre que automne frissonnant, bien évidemment, tout ce qui va rentrer dans le thème un petit peu de l'horreur et de l'épouvante. Et on y plonge directement avec la première sous-catégorie de ce menu, justement, qui est Je suis Médée, vieux crocodile. Ici, il faut explorer les mots-clés thriller, épouvante, horreur, trahison. C'est pas des choses que j'aime énormément puisque les thrillers c'est pas du tout ma came et j'ai pas énormément de lectures portées sur l'épouvante et l'horreur. C'est pas trop mon style de lecture. Mais j'ai quand même quelques petits titres qui devraient bien s'insérer dans cette sous-catégorie. Et tout d'abord je vais y mettre Ajin ici qui est un manga de Gamon Sakurai aux éditions Gléna. Ça a l'air quand même un petit peu angoissant et horrifique. On y suit donc l'histoire d'un jeune lycéen qui va mourir devant ses camarades de classe. Dégueu, et qui va revenir à la vie, mais sa tête va être mise à prix puisque c'est un immortel. Et la population entière va donc se mettre à ses trousses puisqu'il faut savoir que des années auparavant et après sporadiquement sont apparus des êtres immortels que l'on a appelés des Ajin, qui ont été tout à fait mystérieux puisqu'immortels. J'en sais pas plus, il paraît que c'est top, que c'est vraiment une des sagas manga qui plaît énormément, qui a été adaptée en anime. Donc pourquoi pas commencer durant ce challenge. Ensuite je compte continuer dans ce menu avec les tomes 2 et 3 du Couvent des damnés. Donc là pareil, hein, c'est des lectures qui pourraient entrer dans plein de menus différents, mais je les ai classées ici puisque c'est quand même une ambiance assez glauque, assez horrifique. Et on y parle aussi de trahison, de vengeance, donc je pense que ça rentre bien dans le thème. Ici on y suit une jeune fille qui a été la victime d'une chasse aux sorcières assez violente où toute sa famille a été décimée sous ses yeux. Elle a perdu sa maman de manière brutale et elle a été récupérée dans un couvent, le couvent des damnés du coup, qui récupère un petit peu ses victimes de chasse aux sorcières. Et qui est très stricte avec des règles à respecter qui sont violentes, enfin bon bref, hein, elles sont complètement presque mises en esclavage. Il y a tout un tas de trucs derrière. J'ai ma lecture qui remonte à quelques années maintenant, une année, presque deux je crois, donc c'est pas très très frais, mais je compte relire le premier tome pour me remettre à fond dans les 2 prochains. Donc voilà, c'est une série que j'avais beaucoup aimée et que je souhaite poursuivre très bientôt. Et enfin dans cette sous-catégorie, je souhaite lire Le Crépuscule des âmes maudites de Ruffin Gutiérrez aux éditions Ruffin. Ça fait une éternité que j'ai ce livre dans ma pile à lire. Oh, le petit coquin qui est tombé. Je vous disais donc, ça fait une éternité que j'ai ce bouquin dans ma pile à lire, mais vraiment très 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 longtemps. Je n'ai jamais pris le temps de le lire et on va y suivre en fait une femme qui part à la recherche de son fils et de son mari qui ont disparu dans une vague de boue énorme qui ont été emportées et dont on ne sait absolument rien, donc je sais juste que ça se passe dans la nuit, elle va rechercher, donc c'est un peu policier, thriller, et ça va être assez perturbant, assez glauque de ce que je vois. Ça a l'air d'être une histoire assez épouvantable également, donc je pense que ça rentre parfaitement dans cette sous-catégorie. Ensuite, toujours dans le même menu, la sous-catégorie Les Chimères de la Sylve Rouge. Magnifique titre. Et là, c'est une catégorie qui m'inspire un petit peu moins, puisqu'on va parler de vampires. Et c'est pas des créatures que j'affectionne particulièrement, hein, je dois vous l'avouer, les vampires, c'est pas mon délire de fou. Je préfère les loups-garous, les créatures un petit peu plus étranges. Bref, mais Guimauze nous donne également les mots-clés gothiques et créatures de la nuit.
ce qui m'inspire d'autant plus. Donc pour commencer, dans l'ambiance gothique, j'ai décidé de me lancer dans Black Butler. Franchement, quand j'ai acheté ces mangas, je savais déjà que j'allais les garder pour le Pumpkin Autumn Challenge, puisque voilà, cette ambiance très gothique qui apparemment est très visible hein, dans le manga, qui se dégage clairement, et voilà, donc ça j'ai trop hâte de découvrir. On va suivre Sébastien, il me semble qu'il s'appelle, le jeune garçon qui est absolument sublime, hein. il est beau. Non mais il est... Faut le préciser. Donc on va suivre ce Sébastien qui est majordome, donc d'un héritier d'une grande famille de la noblesse anglaise. Et donc rien à redire, hein, il est parfait en tout domaine, que ce soit l'art culinaire, l'éducation... Rien à redire, sauf qu'on ne sait pas vraiment sa vraie nature. On nous dit dans le résumé qu'il aurait peut-être passé un accord avec le diable. Ensuite, j'ai décidé de lire Sans âme de Gail Carriger, une aventure d'Alexia Tarabotti aux éditions Le Livre de Poche. Alors celui-ci, on tape complètement dans le vampire puisqu'on va suivre cette jeune femme qui s'appelle donc ben, Miss Alexia, hein, Alexia Tarabotti. Qui doit composer avec trois facteurs principaux. Donc premièrement, elle a pas d'âme. Deuxièmement, bah, elle est toujours célibataire. Et troisièmement, elle se fait subitement attaquer par un vampire dont elle ne sait absolument rien. Qu'elle va accidentellement tuer. C'est dans ce contexte que Lord Macoun, un bel écossais, va être envoyé en mission en fait pour bah, démêler un petit peu l'affaire. Voilà, est-ce qu'elle est responsable, pas responsable, enfin qu'est-ce qu'il en est? Et j'en sais pas plus. Franchement, ça m'inspire pas mal pour des histoires de vampires loups-garous, ce qui est pas trop mon délire à la base. Ça m'inspire beaucoup parce que ça a l'air truculent et vraiment inspiré. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je crois que bah, c'est un tome 1, donc voilà, pourquoi pas poursuivre par la suite si ça m'intéresse. Ensuite, dans cette catégorie, je compte lire Luna, donc le tome 1, La nuit des totems de Chris et Keramida, ce que j'adore, aux éditions Soleil. Alors j'ai 3 tomes, donc bon, voilà, si ça me plaît, je pourrai poursuivre. On y suit dans cette histoire, donc Luna qui est la fille du grand chef des Pomawok et qui va se retrouver dans son initiation maudite, puisqu'elle va récupérer en fait l'âme d'un loup, donc l'un très bénéfique et l'autre maudit, mauvais. Et on sait juste qu'à chaque pleine lune, la jeune fille va être maudite, elle va être possédée par le mal. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce qui va se dérouler autour de cette histoire, mais ça m'intrigue énormément. Les dessins sont magnifiques et puis voilà, le titre, la... toute l'ambiance qui se dégage, donc avec la lune, les créatures de la nuit comme ça, donc les loups, la possession, bref, c'est vraiment quelque chose que j'adore, donc j'ai très hâte de découvrir cette BD. Et enfin, non mais comme si ça suffisait pas dans cette catégorie, j'ai mis Le Sorceleur, le tome 2, à savoir que j'ai les 4 premiers et j'avais pas du tout aimé le tome 1, mais alors vraiment pas, puisque c'était une succession de nouvelles dans l'univers du Sorceleur, et bon, pour moi, pour avoir joué aux jeux vidéo avant que je surkiffe, c'est vraiment un de mes jeux favoris, hein, clairement, The Witcher, du coup, c'est incroyable, incroyable univers, et du coup j'avais eu énormément de mal à retomber dans le livre sous forme de nouvelles comme ça, c'était décousu, enfin j'avais pas du tout aimé, et du coup le tome 2 apparemment on commence vraiment l'histoire, donc je suis pas sûre, c'est peut-être encore un format nouvelle dans celui-là, surtout si vous avez l'info dites-moi parce que j'ai pas recherché avant de faire la vidéo, mais je sais qu'il y a un bazar comme ça et que l'histoire commence à partir d'un certain tome. Je sais juste que c'est dans ce tome-ci qu'il va rencontrer Ciri, l'enfant élu de The Witcher, du Sorceleur. Donc bon, je vais pas refaire tout un pitch sur le Sorceleur parce que c'est vraiment une saga emblématique et reconnue. Donc voilà, je ne sais pas pour celui-ci. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'est Les Supplices de la Belladone. Quel beau titre! La Belladone est une plante. Juste incroyable, magnifique. J'ai décidé de lire Le Château, le tome 1 des Ferrailleurs de Édouard Carré, écrit et illustré par Édouard Carré aux éditions Grasset, puisque dans ce sous-menu, on nous propose de lire un livre à la couverture noire. Voilà, donc j'en ai choisi qu'un seul, ça sera celui-ci. Il est parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est une ambiance hantée, gothique et assez macabre, je pense. Dans cette histoire, il est question d'un gigantesque manoir, un grand puzzle architectural assez macabre, où vit une grande famille depuis des générations qui paraît assez étrange. Et dans cette famille, selon la tradition, à la naissance, chaque membre de la famille va se voir attribuer un objet particulier, spécial, qui devra le suivre toute sa vie. Et c'est dans ce contexte qu'on suit Claude, que j'imagine être ici, notre héros, qui lui a un pouvoir assez particulier, puisqu'il entend parler les objets. Et c'est un soir de tempête que Claude va entendre les objets murmurer de manière plus intense, ça va devenir plus insistant, et c'est une jeune fille qui va toquer à la porte, dont on ne sait rien, une jeune orpheline.
Voilà, c'est tout ce que l'on sait, ça m'intrigue trop trop trop, ça a l'air mystérieux, macabre, angoissant, hanté, voilà, enfin j'ai trop trop hâte de découvrir cette histoire, franchement c'est un tome 1, donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles bien évidemment. On arrive tout doucement donc à la dernière catégorie de automne frissonnant qui est Esprit, es-tu là ? Et ici les mots-clés sont fantôme, famille, historique et classique. Du coup, moi j'ai décidé de lire l'intégrale de Moss de Art Spiegelman aux éditions Flammarion et c'est une édition des 25e anniversaire, donc c'est un livre emblématique. C'est une référence un petit peu dans le domaine de la BD historique. On va suivre donc le personnage de Vladek Spiegelman qui est un rescapé de l'Europe d'Hitler. Voilà, avec son fils qui est dessinateur de bande dessinée, qui entretient une relation un petit peu étrange aussi. Voilà, ça va dépeindre ça, la relation entre un fils et son père vieillissant. Et puis également, bah, j'imagine, les ravages de la guerre et toute l'horreur qui tourne autour de la Seconde Guerre mondiale et d'Hitler. Voilà, il paraît que c'est une référence dans le domaine, donc j'ai énormément envie de le lire. Il y a le côté historique qui est si bien présent. Et puis, c'est raconté avec des souris. Voilà, c'est le summum. Donc j'ai très très hâte de le découvrir, c'est une hyper belle édition hardback. Voilà, je vous ferai des inserts pour les dessins, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir, c'est sûr, je vais le lire. Ensuite, je compte lire le grand classique de Dumas, donc Pauline, aux éditions Folio Classique. Voilà, c'est vraiment... Alexandre Dumas, c'est un auteur que j'aime bien et j'ai encore pas mal de choses à découvrir de lui. Voilà, Pauline, c'est le récit d'une séquestration, en fait, d'une agonie. Ça a l'air assez terrible, ça a l'air violent, mais j'ai très 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 envie de le découvrir, donc voilà. J'en sais pas plus, hein. Je sais juste que voilà, c'est vraiment un récit de séquestration où elle va endurer des choses atroces, séquestrée pendant 20 ans je crois, ou plus peut-être. Voilà, ça a l'air très très violent, mais j'ai très envie de le découvrir. Et enfin, j'ai mis ce livre-ci, donc c'est Histoire de l'Écosse des origines à nos jours de Michel Duchesne aux éditions Texto. Alors, je ne compte pas le lire entièrement hein, parce que c'est un livre que j'ai déjà commencé, j'en suis pas loin, j'ai lu 40 pages, mais voilà, je suis absolument fascinée par l'Écosse. C'est vraiment ce qui me correspond. J'ai toujours été attirée par le côté celte, mais depuis que j'y suis allée il y a maintenant 3 ans, 4 ans. Voilà, je suis absolument fascinée, on voulait y retourner cette année avec mon chéri, mais bon, voilà, hein, corona, et voilà, mais ça se reproduira, c'est sûr et certain, on rêve de découvrir l'Écosse de long en large, donc ici c'est pour ben, en savoir plus surtout, hein. On traite absolument tous les domaines et c'est trop trop bien. Voilà, je me suis donné comme challenge de le reprendre un petit peu et d'en apprendre toujours un petit peu plus, même si je lis que quelques lignes, mais voilà, petit à petit j'en arriverai à bout. Et donc petit à petit, on avance et on arrive dans le second menu, qui est, je pense, mon favori. Un petit peu, bah, c'est pas que je l'avais oublié, mais presque. Hein. Rien que le titre de menu, automne, douceur de vivre, c'est ça, c'est le petit aspect cocooning, tout ce qu'on adore et qui entoure l'automne. C'est ce menu. La première sous-catégorie, c'est Il fait un temps épouvantail. Bravo Guimos pour ce jeu de mots, ça m'a beaucoup fait rire, franchement, c'est délire. Et du coup, dans ce thème-ci, eh bien, il faut partir sur le Halloween. Voilà, Halloween, Salem, tout ce que vous voulez, qui entoure un petit peu ben, le contexte hein, de l'automne, principalement. Et dans cette catégorie, j'ai décidé de lire cette BD magnifique, donc des éditions Glénat, avec Disney, Horrific Land, Mickey Mouse, hein, voilà, tout simplement. Une BD qui m'avait été offerte pour mon anniversaire par un abonné que j'adore, hein, donc merci à toi, tu te reconnaîtras, qui est dédicacé en plus, il avait fait la queue et tout pour me faire dédicacer cet ouvrage, et celle-ci, bah, je me la gardais forcément pour cette période-ci, parce que j'ai pas envie de lire Horrific Land dans une autre période de l'année. Voilà, donc j'ai trop 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 hâte de la lire, ça va être magnifique, c'est un moment douceur assuré. Horrifique un petit peu, mais en plein dans Halloween, donc c'est parfait. Et du coup, j'ai décidé de persévérer avec L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury aux éditions Folio SF, puisque c'est un livre que j'avais commencé l'année dernière pour ce même challenge que je n'ai pas terminé. J'y arrivais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait, je sais pas trop ce que c'est. L'histoire était chou en soi, mais ça m'a pas emballée. L'écriture ne m'a pas convaincue non plus, mais je me suis dit, franchement, c'est un petit livre, je me rappelle quand même pas mal de l'histoire de début, donc je peux le reprendre rapidement en passant un petit peu le début, parce que ça va me revenir, plus on s'insère dedans, plus ça revient. Donc voilà, je vais essayer de poursuivre, parce que c'est peut-être une belle surprise, et puis on est en plein dans le thème, quoi, donc c'est le moment ou jamais de persévérer, et de me dire, allez, je retente, bah si ça le fait pas, ça le fait pas, hein, mais bon, faut bien retenter.
Et c'est l'histoire de Tom Skelton, donc qui se déguise en squelette lors de la soirée d'Halloween, et qui a pour habitude donc de récolter les friandises avec ses copains dans la ville. Et cette fois-ci, il y a le petit Joe Pimpkin qui ne les accompagne pas, donc où est-il? Enfin, c'est assez étrange, il y a un mystère autour de cette pseudo-disparition. Qu'est-ce qu'il fait? Et il y a un homme inquiétant qui finit par ouvrir la porte donc pour la récolte de friandises et qui va leur proposer un mystérieux voyage. Donc c'est assez inquiétant, assez intriguant. Et après donc on part dans tous les domaines, hein, de l'Égypte à Paris jusqu'au Mexique pour la fête des morts. Voilà, c'est un voyage mystérieux, intriguant. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci, je vais arriver à poursuivre un petit peu plus. Je m'excuse pour la luminosité, mais le temps est très changeant. Ensuite, on arrive à une sous-catégorie que j'adore, c'est siroter un chocolat chaud sous les saules. Et ici, on va y parler de feel good, de cocooning, d'enfance et également d'anthropomorphisme. Dans ce sous-menu, j'ai décidé d'inclure Roji, donc le premier tome de Keizue Kotobuki aux éditions quoi, Kiyun. Ouais, trop bien. C'est un petit manga tranche de vie où l'on suit deux sœurs en fait qui ont un caractère très différent et qui vont embarquer toute leur bande de potes dans des petites aventures du quotidien, voilà, des petits challenges et tout. Enfin, ça a l'air hyper mignon, hyper feel good, hyper cocooning. Les dessins sont tout mignons, quoique un petit peu vides, je trouve. Mais franchement, j'espère que ça va le faire. Ça peut devenir une de mes sagas coup de cœur. Non, mais ça peut. Donc j'ai trop hâte de découvrir, ça a l'air tout mignon, cocoon, enfance, famille, tout ce que vous voulez, c'est parfait. Ensuite, pour rester dans le cocoon, mon cocoon à moi, non parce que je suis d'accord avec vous, là ça fait couverture d'hiver, mais j'y peux rien. C'est le troisième tome, j'ai lu les deux premiers. Aubépine, bien sûr, de Karansack et Tom Picot aux éditions Dupuis, et ici c'est Pourquoi tant de laine. Voilà, hein, je vous refais brièvement le pitch de Aubépine tome 1, on suit Aubépine qui est une petite jeune fille qui va déménager dans une maison de campagne avec ses parents, donc c'est pas du tout son univers, hein, n'y connaît absolument rien, elle aime pas trop ça, et puis par la force des choses, elle va bien évidemment essayer de sortir, et elle va faire des jolies rencontres, c'est fou, franchement c'est fou, c'est trop bien, et elle va commencer à appréhender et à apprivoiser un petit peu son environnement, et c'est juste trop génial, c'est hilarant, c'est bien cousu, c'est... Voilà, j'adore, moi c'est mon petit cocoon à moi, un petit DD jeunesse, Aubépine, c'est absolument parfait, je peux pas y échapper, j'ai le quatrième tome. Faut que je me le garde pour un petit peu plus loin dans l'année, hein, sinon je les dévore, mais ça va hyper vite en plus, et c'est un trop bon moment assuré. Ensuite, je compte bien évidemment lire Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Palomas aux éditions Cherche Midi. Cette couverture est magnifique, on y parle d'imaginaire, d'enfance, de... Ça va être cocooning, je le sais, je le sais d'avance, franchement. C'est un petit garçon qui voue un amour sans borne à Mary Poppins, qui est très imaginatif, qui déborde d'imagination, et qui a du mal, en fait, avec son père, enfin, c'est surtout son père qui va avoir du mal à capter un petit peu son caractère. Il le trouve différent, bizarre, il sait pas trop comment s'y prendre avec ce jeune garçon, qui semble quand même différent des autres, et voilà. Donc c'est l'histoire de ça, c'est la vie scolaire ne lui convient pas, la psychologue... Elle sait pas, bon bref, voilà, ce petit garçon, il rentre pas dans les cases et c'est un petit peu intriguant. Qu'est-ce qui se cache derrière cette tranquillité apparente que lui développe? Il a l'air complètement en harmonie avec ce qu'il dégage. Donc, bien écoutez, j'ai trop hâte de le découvrir, mais je pense que c'est parfait pour le thème enfance, cocooning, feel good, ça va être merveilleux, je le sens. Et enfin, dans cette catégorie, on est pile dans l'anthropomorphisme puisque je compte lire The Wise Wise Beast of the Wizarding Wisdom de Nagabe aux éditions Komiku. Et là franchement cet ouvrage il peut rentrer dans plein de catégories différentes puisqu'on y traite également de magie, de sorcellerie, d'anthropomorphisme, de magicien. Je sais pas grand chose de cet ouvrage, je sais juste que c'est what the fuck, qu'il y a une école de magie, qu'il y a plein d'espèces représentées, donc ça j'adore, franchement c'est trop cool. Mais what the fuck le temps? Soleil revient? Ouais, on est sur des changements de luminosité qui vont être un peu violents, mais bon, je m'adapte. Voilà, je sais juste qu'il y a une école de magie paumée dans la forêt où toutes ces races différentes, ces espèces d'animaux vont s'y regrouper et qu'ils vont apprendre la magie, mais aussi l'amour sous toutes ses formes. Voilà, j'en sais pas plus. On attaque la troisième sous-catégorie de ce menu qui n'est nul autre que « Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette ». Ici, on rentre dans le domaine de la féerie, hein, voilà, les contes, les créatures légendaires, c'est vraiment toute cette ambiance-là qui est mise en avant dans ce menu. Donc c'est parti, j'ai une petite sélection de 3 livres, mais
J'adore cette catégorie. Puisqu'on a le droit de traiter également des mythes et légendes, j'ai choisi de lire Le Trône de Feu, le tome 2 des Chroniques de Khan de Rick Riordan, aux éditions ici, le livre de poche. Alors, ça avait été une bonne surprise, hein. Vous rappelez-vous, je vous en avais parlé, et franchement, j'ai hâte de me replonger dans ce deuxième tome, puisqu'on y suit ici deux enfants, donc Sadie et Kane, qui se retrouvent impliqués et pris de pouvoir des dieux, carrément. Donc on est dans la mythologie égyptienne ici, pas ma favorite, hein. Mais pour autant, j'avais vraiment bien aimé. Il paraît également que c'est la saga la moins populaire, la moins aimée de Rick Riordan, mais ma foi, j'ai commencé par celle-ci et ça m'a pas déplu, donc franchement, je suis après très très amatrice de mythologie, il faut le savoir, donc ça peut plaire, pas plaire, j'imagine, mais ici j'ai trouvé que les mythes étaient hyper bien traités, on y balance plein d'infos, plein de trucs super intéressants et très bien menés pour le côté ado, young adulte, jeunesse, enfin je sais pas trop. Ah bon, quand même, non, si on a l'arbre d'Yggdrasil qui s'en va, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas du tout, je le veux. Donc voilà, j'avais été hyper surprise, et pour le coup, c'était fun, c'était pas prise de tête, c'était plein d'humour, et franchement, j'avais trop envie de poursuivre. Donc voilà, je pense que ça rentre pile dans la catégorie mythe, et c'est parfait, donc ouais, j'ai hâte. Ensuite, dans cette catégorie, j'y ai mis le petit Jeunesse, Kenny et le Dragon de Tony Dieterlidi aux éditions Pocket Jeunesse, qui est en hardback, qui est magnifique, qui m'avait été conseillé par ma Kimi Collection d'amour, et franchement, rien que la couverture, l'objet livre est juste magnifique. On y suit donc les aventures de Kenny et le Dragon, qui, ben, forcément, hein, le Dragon... C'est pas un dragon comme les autres, hein. C'est pas un dragon puissant, cracheur de feu, violent, non, c'est un petit érudit, tout doux et tout, voilà, qui a d'autres hobbies, hein, que de cramer des villages et tous ses habitants. Donc voilà, ça va être une jolie histoire d'amitié, je pense, un petit peu atypique, drôle, émouvante, voilà, tout ce que j'aime, donc, et qu'on a besoin pendant cet automne qui va être cocooning et quand même particulier, non mais faut se l'avouer, hein, le contexte actuel est particulier. Donc voilà, ça va me faire du bien, je suis sûre de le lire cet automne, c'est obligé. Et voilà, il m'inspire beaucoup. Et enfin, j'ai mis ce gros bébé magnifique, le golem et le djinn de Helen Wecker aux éditions Bragelonne. Cette couverture est juste incroyable. Ici, on a des pages argentées. Hein. La petite marque là que vous voyez, c'est ce qu'a lu... La petite marque que vous voyez ici, c'est ce qu'a lu ma maman, hein, parce qu'elle n'a pas accroché au livre. Et elle me l'a donc passé parce qu'elle pense que ça peut me plaire. Et mais je suis complètement d'accord, je pense que je vais adhérer. Et en fait, je sais simplement que c'est une histoire d'amour imprévue, complètement improbable, entre deux êtres qui n'étaient pas censés se retrouver, se rencontrer dans un contexte new-yorkais, bref, un truc assez improbable, mais qui me semble assez créatif, donc franchement, j'ai trop hâte de découvrir. Je sais juste que le golem est une femme donc qui va s'affranchir suite à la disparition de son créateur, et que Ahmad, un djinn, va être libéré donc de sa prison après des siècles et des siècles de réclusion, donc voilà, j'en sais pas plus, ces deux êtres vont se rencontrer, ça a l'air complètement innovant et très féerique en même temps, voilà, légendaire, je ne sais pas trouver trop les mots, mais cette lecture m'inspire beaucoup, alors c'était un gros pavé quand même, hein, mais voilà, il est super beau, hein. Franchement, faut dire ce qui est, magnifique, des éditions Bragelonne toujours. Bon, ensuite, lecture hyper facile à intégrer, on est d'accord, L'Atelier des Sorciers, le tome 6 de Kamone Shirahama aux éditions Pika. Voilà, je ne vais pas faire l'affront de faire le résumé de cette saga-ci, qui est une des sagas manga les plus appréciées, que vous avez vu partout. Donc voilà, je vous dis juste que c'est exceptionnel, qu'il faut vraiment s'y plonger. Si vous aimez la magie, les sorciers, les trucs un petit peu originaux, parce que franchement, au niveau de l'originalité dans la magie, c'est dur, hein, parce que la magie, elle est traitée sous différentes formes, on en a partout, tout le temps. Et là, c'est une magie qui m'a surprise, qui m'a émerveillée, franchement, une magie qui se dessine. C'est trop bien, c'est trop bien, et j'ai trop hâte de découvrir la suite des aventures de Coco et de tous ses camarades. Ensuite, je compte bien lire La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill de Kelly Barnhill aux éditions Anne Carrière. Ce livre m'inspire de trop. Dans cette histoire, chaque année, les habitants du protectorat, j'imagine un village, abandonnent un enfant en sacrifice à la sorcière redoutée des bois, donc des bois environnants. Et cette sorcière, qui s'appelle Xan, va tous les ans récupérer un enfant pour essayer de le sauver, puisqu'elle ne comprend pas pourquoi chaque année on lui abandonne un enfant comme ça, sans raison apparente. Donc voilà, cette année-ci, l'enfant qui est abandonné est une jeune fille qui semble être très particulière, différente des autres, et qui entretient un lien étroit avec la lune, un pouvoir très puissant apparemment, que la sorcière Xan essaye de contenir, de maintenir,
et voilà, pour pas que ça explose quoi, mais vient ses 13 ans, ils approchent à grands pas et apparemment ses pouvoirs vont se révéler. Voilà, j'en sais pas plus, ça a l'air juste trop trop bien, on est pile poil dans le thème SFFF là, c'est... Enfin, c'est top, j'ai trop trop hâte de me plonger dans cet univers. Et ensuite je compte lire Brida de Paolo Coelho, aux éditions ici Le Livre de Poche. J'adore ce livre et je vous en parlais dans une de mes vidéos, là je sais plus trop laquelle mais je sais pas d'où il sort. Bref, je l'ai trouvé comme ça chez ma mère, on sait pas du tout d'où il vient. Mais c'est pas grave. Et ici on suit les aventures de Brida, une jeune Irlandaise qui a très envie de s'orienter vers le côté magie, sorcellerie, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc elle va essayer de développer son côté spirituel, d'aller en ce sens et d'apprendre tout ça. Sauf que l'amour s'en mêle, voilà, l'amour vient faire toc toc, là on est là. Et bah du coup voilà, elle se trouve face à un dilemme. Et donc voilà, du coup, est-ce qu'elle est prête à tout ? À tout quitter, à tout chambouler pour devenir sorcière. Voilà, voilà, c'est le pitch de ce récit. Allez, on entame maintenant le dernier des menus qui n'est rien d'autre que Automne des Enchantresses, avec des sous-catégories très intéressantes. Et la première, c'est Rêve d'automne, et j'ai pas de livre à vous présenter, non, puisque ici on va parler de la question LGBTQI+, et militantisme, et à vrai dire, j'ai pas d'ouvrage en ma possession sur ces sujets-là. C'est pourtant des sujets qui m'inspirent beaucoup, que je trouve très important, qui m'intéresse, mais pour autant, dans le domaine de la lecture, c'est pas des sujets vers lesquels je vais spontanément, voilà, même si je m'intéresse par d'autres moyens. Au niveau de la lecture, il y a toujours des thèmes qui m'intéressent un petit peu plus et vers lesquels je vais préférentiellement. Cela dit, je compte me procurer Heartstopper durant ce challenge, Heartstopper de Alice Osman, qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui, et que je vois partout avec des avis dithyrambiques, c'est trop bien, c'est trop trop cool et tout, c'est en plus cocooning, feel good. Voilà, quelque chose qui fait du bien, qui est important et que tout le monde devrait lire, donc je compte me le procurer. Donc voilà, je vous le mets là, je pense que je vais y arriver. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Sarah Bernhardt, Monstre Sacré. Et ici, on doit y parler de dramaturgie, de pièces de théâtre ou d'art sous toutes ses formes. Et je dois vous avouer que la dramaturgie et les pièces de théâtre, c'est pas du tout mon truc, que je ne peux pas. C'est les pièces de théâtre, les essais, les nouvelles, c'est pas du tout mon truc. Voilà, je me suis portée sur le côté art, hein, artistique dans tous ces domaines, donc je pense que je vais du coup inclure tout ce que je vais regarder au niveau audiovisuel dans cette catégorie, hein, voilà, les films, les séries, les chansons que je vais découvrir, tout ira là-dedans, clairement, et sinon, côté lecture, j'ai choisi 3 mangas, donc tout d'abord la saga en scène, donc là, non, je me trompe, hop, la saga en scène, j'ai les 3 premiers tomes, ici je vous montre que les 2 premiers, mais bon bref, j'ai les 3 premiers tomes, j'ai lu le premier qui est trop trop bien, on y suit une jeune fille qui rêve de devenir ballerine, voilà, c'est son rêve absolu, c'est hyper compliqué, elle s'en rend compte, mais elle abandonne pas pour autant, elle y va, et c'est juste trop bien. Si vous avez déjà pratiqué la danse classique, vous serez pas perdu. Moi, j'avais vraiment toutes les bases du début et tout, le vocabulaire associé, tout ça, je connaissais déjà. Donc franchement, j'ai adoré me retrouver dans un univers que j'aime, comme ça, vraiment cocoon pour moi, puisque c'est vraiment trop bien abordé. Enfin, j'ai beaucoup aimé comme la danse classique a été abordée, ce sport fabuleux, franchement, que je vous invite à découvrir mais par ce biais, pourquoi pas, si vous ne connaissez pas du tout, et c'est extrêmement compliqué. Et pour le moment, c'est bien traité, donc j'espère que ça le sera, et je vais poursuivre cette saga, c'est sûr, parce que j'avais trop aimé. Et ensuite, niveau manga, je vais aussi poursuivre avec Pandora Hearts, le tome 2 de comment il s'appelle ? Jun Mochizuki, et c'est les éditions Kiyun aussi. Alors je dois vous avouer que j'avais lu le tome 1 en lecture commune avec Mad Girl with a Book, d'ailleurs, hein, j'ai vu taper l'allure, tu ne l'as pas mis, mais on va se le faire, non, on va se le faire, c'est obligé, il faut en découdre, parce que franchement, clairement, j'ai pas compris grand chose du premier, je suis pas sûre d'avoir tout compris, en réalité, c'était très flou, j'ai trouvé que l'action était hyper décousue, bon, je vous en reparlerai, mais voilà, j'espère que ce tome 2 va éclaircir un petit peu les choses. Je sais même pas trop comment vous faire un résumé, c'est hyper flou. Mais voilà, du coup, je vous en reparlerai. Sachez juste que je compte persévérer dans cette saga. Pour ceux qui m'ont donné des conseils là-dessus et qui aiment cette saga, j'y vais, mais doucement. Hein. Je vais pas dire, mais il est bientôt froid. Allez, on est bientôt à la fin, puisqu'ici, on arrive à la troisième sous-catégorie du dernier menu. Il s'agit des écailles de Mélusine. Et l'on doit parler de féminisme, de métamorphose, de transformation. C'est très vaste. Dans cette catégorie, j'ai décidé d'y intégrer Orgueil et Préjugés de Jane Austen dans la nouvelle collection, là que vous pouvez retrouver chez vos marchands de journaux, tout ça. Grande Fort Collection, trop belle, hein. Les ouvrages sont magnifiques, clairement. Et bon, bah, je ne vais pas présenter Orgueil et Préjugés de Jane Austen, qui est un classique incontournable de la littérature que j'ai déjà lu au collège.
ou au lycée, je ne sais plus exactement la période. Voilà, donc je connais l'histoire, j'ai déjà vu le film que je compte me refaire à ma relecture d'ailleurs. Mais franchement, j'en ai pas énormément de souvenirs, surtout que les lectures collège, c'était un peu de la contrainte. Bref, fallait les lire dans un temps imparti et tout, c'était pas ce que je préférais. Donc voilà, là je vais, je pense, me régaler, sachant que je connais l'histoire, je vais prendre mon temps. Et je pense que ce livre va très bien dans cette catégorie, parce qu'on ne pouvait pas parler de féminisme à l'époque. Mais Jane Austen était vraiment quelqu'un qui avait en elle les germes du féminisme. Je trouve que le livre est très 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 engageant à ce niveau-là, et ouais, qui a les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme, mais voilà, c'est parfait, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ensuite, je compte lire ce petit recueil de nouvelles. Alors, je vous disais juste avant que j'aimais pas les nouvelles, mais là, Ballade irlandaise, voilà. Et pourquoi je l'ai intégré dans cette... dans cette catégorie, puisque ce sont que des femmes qui ont écrit ces nouvelles, et je pense que ça va être tout doux, trop cool. Je voulais le lire cet été, mais j'ai pas eu le temps, mais voilà, du coup je vais l'intégrer. Ça sera vraiment une petite lecture facile entre peut-être deux gros livres par exemple. Voilà, ça peut être super cool, et donc on y dépeint plein de choses. C'est bien connu, les filles d'Irlande ont une sainte horreur qu'on leur marche sur les pieds. Elles n'hésitent pas à parcourir la moitié du monde pour tomber amoureuses, à faire retapisser leur maison aux roses sans en parler à leur mari, ou à le planter là pour partir en week-end notre copine. Laissez-vous entraîner par ces quatre nouvelles fraîches et enlevées dans une sympathique escapade chez nos voisines irlandaises. Voilà, donc je pars en pays celte également et je vais me régaler. Et enfin, dernier livre de cette sous-catégorie. Non, franchement, je compte pas tout lire, mais surtout que j'ai déjà commencé, en fait. Et j'aimerais surtout finir le premier, parce que là, c'est un intégral, donc il y a 3 tomes à l'intérieur. Il s'agit de La Moïra, le cycle des loups, de Henry Lovenbruck. Et ici, c'est les éditions quoi. Ah, génial, ça n'apparaît pas. Ça, c'est bizarre, ça. Flammarion. Voilà, et il est trop beau, hein. Rien que... Il est trop beau. Et en fait, cette histoire, je ne sais plus pourquoi je l'avais mis en pause... Et j'avais adoré, et depuis que je l'ai mis en pause, elle me hante en fait. C'est vrai, j'y pense tout le temps, j'ai trop hâte de retrouver les personnages et tout, j'avais trop aimé. Et du coup, ben, j'ai hâte de m'y replonger, parce que ça m'avait plu. Et même si je lis pas tout ça, hein, parce que franchement il me faudrait beaucoup de temps pour lire l'intégrale d'un coup, et j'ai envie de finir le premier tome, hop, ce qui équivaut à lire ça. Voilà, donc ça va clairement, et du coup j'ai hâte de m'y replonger. Je vous lis le résumé, parce que ça fait un moment du coup que je l'avais mis en pause, et j'ai plus tout en tête, je suis pas capable de vous en faire un résumé hyper détaillé, donc je vous lis le résumé. Aléa, jeune orpheline solitaire, dérobe un jour une bague qui lui confère de pouvoirs étranges. Politiciens et religieux convoitent autant qu'ils redoutent cette élue aux facultés uniques. Serait-elle appelée à devenir le Samil Danak, l'élu des druides, à qui revient la charge de façonner l'avenir du monde? La guerre est proche et gronde, le destin de l'île de Galéa est sur le point de basculer. Voilà, et bon, on y parle un petit peu de transformation en loup, bien évidemment. Bref, voilà, du coup, j'ai trop hâte de m'y replonger, et au moins, je vous dis de terminer le premier tome, voilà, parce que c'est un intégral de 3 tomes. Voilà, après, autant je suis lancée et je poursuis, hein, j'en sais rien. Et enfin, on arrive à la dernière sous-catégorie. Oh non, mais l'arbre d'Yggdrasil. Voilà, donc on arrive enfin à la dernière sous-catégorie du dernier menu. Donc après, c'est terminé. Courage à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Du coup, la dernière catégorie, on va y parler d'un thème que j'adore, puisqu'il s'agit du sous-menu Nausicaa de la Vallée du Vent. On doit y parler de naturewriting, d'écologie, voilà, tout ce qui entoure ce thème-ci, mais également de post-apocalyptique. Alors, premier objectif de ce sous-menu, voir Nausicaa de la Vallée du Vent. Bah ouais, c'est un Ghibli que je n'ai toujours pas vu, donc bon, ça, soyez sûr que je vais me le faire, donc c'est prévu, voilà. Et du coup, j'ai intégré Somalie et l'esprit de la forêt, le dernier tome sorti, donc le 6 de Yako Gurushei aux éditions Komiku. J'ai toujours un doute avec Kiun et Komiku, deux maisons d'édition que j'adore de toute manière, bref, voilà. C'est ma saga préférée de tous les temps. Je sais pas si ça peut vous aider à vous lancer, franchement c'est juste trop bien. Et je l'ai mis dans cet esprit nature, puisque la nature elle est trop bien construite et tout, enfin elle a une part importante dans cette saga, et voilà, je le voyais bien là, parce que je trouve que c'est un petit peu aussi une fable écologique ce manga-ci, donc voilà, je trouvais que ça rentrait parfaitement là-dedans. Et on va y suivre en fait les aventures de ce golem et de la petite Somalie qui est une des dernières humaines, qui est à la recherche de sa famille, et ce golem va prendre en charge cette jeune enfant et va essayer, tant bien que mal,
de l'amener jusqu'à sa famille, de trouver des humains. Enfin bon, bref, c'est trop beau, c'est tranche de vie, c'est hyper beau, il y a plein de messages dedans. Moi, j'ai trop 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 aimé, les personnages sont juste ouf, leur développement est trop bien. Voilà, lisez Somalie et l'esprit de la forêt, vraiment. Dans cette catégorie, j'ai aussi glissé Pax et le petit soldat de Sarah Pennywaker aux éditions quoi ? Gallimard Jeunesse, et eh oui. Voilà, bon, ben, ça, hein, voilà, c'est une histoire d'amitié entre enfants et animaux, ça me tente de fou, on n'en sait pas grand-chose, hein. On sait juste que c'est ça. Ça va être triste, je pense. Et j'espère qu'il y a des notions écologiques et de bonne morale là-dedans, et des bonnes valeurs transmises. Voilà, c'est un jeunesse, donc je pense que c'est le cas, parce que souvent, hein, c'est bien quand ils en profitent pour intégrer des petites piques comme ça, des petites piqûres de rappel pour prendre soin de sa nature, de son environnement, tout ça, des animaux également. Donc voilà, j'espère, je l'ai mis ici par un instinct dans cette catégorie, et j'espère ne pas me tromper. Et enfin, j'ai décidé d'y glisser Dodoma de John Shirasaishi, dur à dire, aux éditions Komiku toujours, et voilà, Dodoma c'est un petit manga qui est pas très bien noté, mais qui m'inspire de fou. On y suit un frère et une sœur qui vont tout perdre du jour au lendemain à cause d'un séisme qui va ravager un petit peu leur cité, aux murs éditions de pierre et tout, et voilà, tout s'arrête, tout est chamboulé, et j'ai très très hâte de lire ce récit, donc fantasy post-apo, donc qui rentre parfaitement dans la catégorie, et qui moi me tente énormément. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai trop envie de le découvrir. Je crois qu'il est en plus en 3-4 tomes terminés, il me semble, donc bah franchement, si le premier tome me plaît, je pense que je me prendrai la suite directe, en fait. Comme ça, je pourrai le terminer très rapidement. Et voilà, j'ai terminé. Donc j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques petites idées si vous aussi vous comptez participer à ce challenge et que vous êtes encore en galère pour trouver des lectures associées. Surtout, n'hésitez pas à me conseiller des lectures pour le domaine LGBTQIA+, qui m'intéresse grandement, mais voilà, je n'en possède pas dans ma bibliothèque. Donc surtout, n'hésitez pas, j'attends vos recommandations en commentaire. Et du coup, bah, moi et mon thé froid, on vous fait de gros bisous, on dit à très vite pour de prochaines vidéos. Gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge, alors vivez-les à fond. Ciao tout le monde. Ah ouais, non, il est froid.